ça que ce qu'on a dit ça l'a dit, aujourd'hui, on est dans une méthodologie, dans une démarche de partager, de planter les grands axes qui sont les grands axes que nous partageons, et je suis convaincu que ce sont les grands axes qui vous préoccupent aujourd'hui. Mais j'ai fait le choix d'être sans binôme après une réflexion que j'ai menée au moment où il m'a approché et il m'a demandé d'être sans binôme. Sachant que je sors d'un mandat de vice-présidence générale avec Mbeli Ben Salah, qui était un mandat très prenant, un mandat riche, un mandat en action que nous avons mené beaucoup d'actions, nous avons traité beaucoup de dossiers. Et bien entendu, avant de se lancer dans une nouvelle aventure, il fallait que je réfléchisse. Et encore plus quand il s'agit d'un candidat comme Salahdin Zouel, qui est un candidat qui n'est pas un candidat, je dirais, naturel. C'est un candidat qui arrive, qui revient au secteur privé. J'expliquerai les motivations qui m'ont guidé dans mon choix. Tout d'abord, je voudrais quand même apporter quelques précisions par rapport à mon parcours. Moi, je suis un militant au sein de la CGM depuis plusieurs années. J'ai eu à accomplir un certain nombre de charges. D'abord, en tant que membre actif dans le cadre de différentes commissions. Ensuite, président de commission, membre du bureau, président, vice-président au sein du bureau. Ensuite, vice-président général. Donc, j'ai eu la chance... Et j'ai eu la chance d'occuper différentes fonctions, et dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu aussi à m'occuper de beaucoup de dossiers. Donc j'ai une connaissance assez importante, hein. Et je me suis dit, aujourd'hui, on entame un nouveau mandat. Ce nouveau mandat comporte plusieurs enjeux pour l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on est face à un essoufflement en termes d'investissement, face à un problème en matière de création d'emplois, face à un problème des régions où il n'y a pas d'activité suffisante, où les activités sont inexistantes. Donc toute cette problématique, je me suis dit, oui, ça me motive à partir pour un autre mandat. Et puis je me suis dit, avec qui le faire? Donc, Salahdin Zouel, j'estime qu'il comporte, il présente un parcours très élogieux, un parcours qui, de mon point de vue, complémentaire au mien. Je ne peux qu'être optimiste. Moi, je suis toujours optimiste. Par ma nature, je suis optimiste. Et comme je suis un sportif, donc je ne peux être qu'optimiste. Quand je commence une bataille, je vais toujours jusqu'au bout de la bataille et je la gagne en général. Donc il n'y a pas de... Pour moi, je suis très, très optimiste et très réaliste parce qu'on présente le binôme qu'il faut. Ce n'est pas uniquement une question d'optimisme. Je suis quelqu'un qui analyse la situation. Et quand je fais l'analyse et quand je me mets à le faire, donc on remplit l'ensemble des conditions et des indicateurs qui nous permettent de réussir. Dans les commissions, ensuite j'ai présidé un certain nombre de commissions, j'ai été membre du bureau, vice-président ou vice-président général. J'estime qu'aujourd'hui, avec mon expérience et les connaissances accumulées et le travail